Bote na bino nyonso balandi ya bosolo na politique sur terrain puisque na so bozai ko landa biso mikolo boyebi que na est ya mboka Congo virus ba bengi épidémie ya virus Ebola ezali bongo ko continuer ko sala toujours ba victime bato ba eko kufa na yango weekend eleki mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo a créé ki bongo comité technique ya riposte pona koluka ko silisa maladie oyo ko benga Ebola. Kasi Ebola yango ezali ndenge nini nini eko sala ke Ebola bato mutazu Ebola ba mode de transmission na yango lengi nini mutako ke ko sala pour nako éviter Ebola ezoyete ndenge nini koki ko bongisa environnement peska ya bofandeli yango boso na politique sur terrain to kesko kutana na monganga bayo baye ko maîtriser makambo etali Ebola to eko lobela Ebola kasi soki to ebite ezali ndenge nini lolenge nini ya kokima yango eza mwa pasi mingi yango to eko soana docteur Landu wazali bongo moko ya ba médecin na kati ya hôpital général ya Kitambo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Ok, en d'autres termes, pour être très bref, pour que Batunion soit va comprendre. Ok, le combo nanduya Ebola, combo en Ebola, et Utaki na au nord, esa rivière Moko, esalaka au nord, ya République démocratique du Congo. C'est esa place ba découvert qui virus Ebola. Esa na ville ya Mbuku. On a découvert le virus ya Ebola. C'était en 1976 chez un médecin belge. Il s'appelle Peter Pio, à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Et puis, il y avait le professeur Jean-Jacques Mouyembe qui a permis les prélèvements sanguins pour qu'on prélèvement et qu'il y ait Belgique et qu'il y ait Anvers pour qu'on découvre qu'il y ait Ebola. En bref, comme définition, Ebola, c'est une zoonose caractérisée par une atteinte multisystémique avec brusque apparition des céphalées, myalgie et fièvre. C'est-à-dire quoi? En fait, zoonose est anine, zoonose est maladie, oyo, eko kabwanaka, nabanyama, tinamuto. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et où tinanyama, et qui est pas namuto, mutu, akabole on peut pas ya mutu. Ils sont caractérisés par fièvre, céphalée, et puis éruption cutanée, et puis en fin de compte, on a des hémorragies. Virus Ebola, en quelque sorte, ils appartiennent à la famille, famille yaba philo viridae, c'est-à-dire, ils ont un virus mais on a forme, yaba singa. Ils ont cinq espèces. Cinq espèces, chaque espèce est dans le combo par rapport au lieu de découverte. Tout ça, Ebola virus Zaïre, Ebola virus Soudan, Ebola virus restant, Ebola virus forêt de taille, on a la Côte d'Ivoire, et puis Ebola virus Bungidigo, on a au niveau de Ouganda. Bandi ya boso na politique sur terrain avec mon kosola kaka na docteur Lando Likambutali Ebola ba cause ya Ebola olobi ete za ki bongo découverte awa na fleuve moko kuna na côté ya est ya moko eska kombo Ebola euti ba cause eloko nini sara ke moto abile Ebola ba cause na yango ezani. Ok, wana pona na expliquer bien, je parlerai de éco épidémiologie. Na éco épidémiologie, qu'est-ce qui se passe? Au fait, l'Ebola, on dit que haute nango, haute c'est-à-dire moto à outar nango, haute nango, ça chauve-souris, chauve-souris espèce mon bosé outar chauve-souris roussette d'Égypte, y est moto aza haute aza réservoir naturel ya Ebola. Comment Ebola se propage à ka? Chauve-souris aye, chauve-souris aza frugivore, aliaka ba fruit licolanzete, alié fruit. Quand le fruit tombe, nyama, chimpanzé, likaku, mutuboe, aya loko tiango allié. Pendant que na salive naye, na soi ya chauve-souris, virus ezanon la katia soi. Directement virus et kaboni pepa nyama, biso batu, toke boma nyama, to lié nyama, directement propagation un virus ezalaka bongo. Et puis, et se propage rapé d'homme à homme. Pourquoi? D'homme à homme par sécrétion maquilla
par la peau, dans la micro-lésion, et au Ebola, et puis ça va tout. Directement aux yeux, Ebola, par le contact. Et puis par les muqueuses. Voilà, on dit à vous, on a politique sur le terrain, tu as dit qu'on a maintenant, on a dit vraiment malade. Mon nom, c'est Zali Boué. Est-ce que c'est possible, mon tour, au hasard, porteur du virus Ebola, à coûter une moto, mon sous, à mon tour, un hasard affecté? En fait, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que Ebola, c'est une maladie virale. C'est une maladie vraiment très dangereuse, même pour nous les soignants. C'est difficile. Moutou, Ozoa, Ozan Ebola, Moutou, Ozoa, c'est directement. Ceux qui Ozan Ebola, Moutou, Simbio, Ozan Ebola, directement au Ozoa Ebola. C'est comme actuellement là, j'ai entendu une histoire. D'un pasteur qui vient prier pour les gens d'Ebola. Il a contracté l'Ebola. C'est une maladie vraiment dangereuse. C'est pas que non, il n'y a pas des gens immunisés que non, à ce qu'Ebola est. Maintenant, monsieur Ezali Boué, Ebola, Ezali Boué, qu'on se transmettre à Kakabo, ceux qui sont Bakoutani. Est-ce que ceux qui sont en distance, n'a touché au thé, n'ont pas de risque aux oreilles Ebola? En fait, le risque est Kaka, risque de contamination est d'où. Ba personnel soignant va se protéger. Tu as toujours un matériel stérile. Parce que quand tu parles aux autres, postillons, soit il y a un kondé, et qu'il y a un zui moutouana. Au cours de la cause, on a porté dans mon corps. Mais qu'il y a un dans mon corps et sauté et zui moutouana. Directement, on a contracté Ebola. Il y a un doux, de préférence, comment on tient tout dans la quarantaine. Tu es dans la quarantaine. Pour minimiser la transmission, il y a virus Ebola. Est-ce que le traitement est ngopé? Net à la Kinshasa, le traitement est ngopé sur Ebola. Toi, tu as été dans l'Est. Le traitement est ngopé. Et ça, la marane, il y a un traitement Ebola. En fait, traitement Ebola, ils en ont un traitement T. Traitement curatif, ils en ont un traitement T. Mais, tout ça, le traitement expérimental. En fait, le cas là comme dans États-Unis, en 2014, il y avait deux Américains qui ont contacté l'Ebola. Mais qui ont un sérum qu'on appelle ZMAP. ZMAP, c'est un sérum expérimental utilisé contre les deux chercheurs américains qui ont travaillé l'Ebola et puis Bikaki. Mais actuellement, il y a des vaccins d'expérimentation. Actuellement, des vaccins d'expérimentation, on veut même le mettre dans le marché que pour pallier un peu dans l'épidémie Ebola. Je suis dans les Alibos. Dans l'Est, dans le minute, on a béni, on a détecté deux élèves, on a été atteint dans le virus Ebola. Il y a des maladies vraiment mortelles de ceux qui ont eu un oiseau qui est né. Parce que l'ennemi n'y a qu'à prévenir. Mais surtout dans la ville, la province de Kinshasa, tu as un peu ça été Ebola et comment raté. Parce que la population est belle, ceux qui sont ébolés, et Kinshasa ne va vivre à Kinshasa, ne va pas vivre à Banyama. Le coup est à Kuna. Et le coup est à Bissau, tout ça, à Kinshasa, c'est tout ça là. Mais le coup est à Bissau, Kuna, à Est, à Bissau, à Sika, à Bissau, 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 à Kinshasa. Ok. Selon moi, à mon avis, moi j'aurais préféré que contrôle des frontières et Salama dans toutes les provinces. On a un Zobima, on a un Zokota, qu'on checke température corporelle. Kota là, zone de risque Nineza. Place ni zone de risque, ça place ni tout quoi agir par rapport à ce que non virus est bimaté, est embolaté, tout contenir en haut dans un tout enclavé virus. Mais actuellement, avec la situation du pays, c'est vraiment difficile. Pourquoi difficile? Parce que même dans les camps où on va traiter Ebola, même dans les camps sont attaqués par la rébellion, les rebelles au Est, ils ont détruit le matériel. Bazo ko chasser ba médecins soignants et tous les personnels soignants bazo oboma. Yango c'est vraiment difficile de contenir la maladie. C'est vraiment difficile pour nous. Si et seulement s'il y avait une sécurité na est wana sécurité ça. Bon sécuriser personnel médical, bon sécuriser même les malades. Et puis bon ça la contrôle, il y a qui entre, qui sort. Là, je pense bien qu'on pourra contenir le virus Ebola. Au niveau à Kinshasa, il y a quelque chose à battre. Bas ça, la colère, n'importe quel niamaté, ton dégni. Ok, c'est ça vraiment, c'est ça. Il faut avoir une hygiène. En fait, comment ça hygiène? Il faut que l'ambabil, il faut bien cuire la nourriture.
Actuellement, je pense bien que c'était l'année passée ou l'année écoulée, dans chaque centre, chaque maison, parce que dans chaque maison, dans chaque hôpital, il faut juste qu'enseigner population, conseiller population, de partout. Parce que nanina ebola toi la hémorragie. Nous avons saigné sans makila. Azo déféqué makila. Il faut prévenir zone de santé. Au lieu il faut pas que simba malade ou azo saigné même na bibembe. Pour na okunde bembe. Il faut toujours que veiller que simba bembe té ebola. Nous avons fini ebola que simba bembe té. Même par rapport à Yabanyama, il faut ce nyama monique nyama za infecté, il faut qu'on abattre nyama, qu'on incinérer et puis l'enterrer. Et ça te le coup la nyama koufa boye boye bi que non côté zone Ebola esa nyama uti kuna yo directement au lien non. C'est un peu ça le mais il faut juste éducation de la population. Quand on éduque la population Ebola esa la et ça l'a vraiment stoppé. Matondi mingi docteur Landu Bayimbo Kaboyibu boti bon ko lando lengini monga ngalobi pona ko éviter Ebola to sokola maboko boko sokola maboko na mai oyo ezali bongo peto ti moi savon soit ti mai yo na javel pe li sou so moni nyama oyo akufi ko liana nuté po bakino bazalaka nia o moko bo la voisin to nia moi ebe sika a utilité akufi bazue mamoro batumbie baliende baliara baliara bani mabongo. Pelle sous ce comme une moto ou azali pené yo a beaucoup saigné comme mama kila na zolo na munokoto mama kila partout il faut bon ko prévenir centre de santé kasi et saigné boye ba ke OMS a aussi bon ko classé à DC parmi ba pays où il y a urgence sanitaire. Donc président de la République pe a sali bon riposte au comité moko pour na ko si sa Ebola kasi zaki bon na docteur otobi merci beaucoup docteur ndengo yamba ki biso. OK merci beaucoup. C'est prévenir. Toujours vigilant au moni moto za ko bimisa makila partout mais maintenant monganga ko simba na noté pa mate ko ya pe ko je bola merci na bino so bolanda ki biso partout dans le monde merci na roublé bamba azaki na sima caméra to kutani bongo na mikoza ko ya toujours na cadre ya bosso na politique sur terrain.